Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Crescent City, Maison de la Terre et du Sang de Sarah Gimas, publié aux éditions De Saxus. Dans cette briquette de fantaisie, nous allons être projetés sur la planète Midgard dans la ville de Lunation. Cette métropole est aussi connue sous le nom de Crescent City. Elle est sous l'autorité directe de l'archange Miché Domitus, édile du quartier central des affaires qui règne sur tous les habitants de la ville. Gouverneur de Crescent City, il est l'archange de la ville de Valbara, ce qui fait de lui l'un des êtres les plus puissants de la ville. Ses seuls supérieurs sont les Astéries de la Cité Éternelle, capitale et cœur battant de Pangera. Et cette ville est divisée en quartiers, chacun dirigé par 6 édiles subalternes, tous nommés par Miché sans le moindre processus démocratique. Le primat des loups administre Boislune, le roi de l'automne fée le quartier des 5 roses, l'infraroi le quartier des eaux, la reine vipère le marché de la viande, l'oracle la vieille place, et la reine du fleuve représente la maison des maintes eaux et sa cour bleue. Les humains du pré de l'Asphodel, quant à eux, n'ont pas de représentants. La méthode de gouvernement repose sur une pyramide simple. Le gouverneur gouverne, les édiles municipaux dirigent leur propre secteur sous son autorité, puis la 33e légion, composée principalement d'anges déchus, mis en esclavage, qui rendent des comptes exclusivement au gouverneur Elox, qui est divisé en unités organisées par quartier et espèce, obéit aux édiles, tous deux voués à faire régner l'ordre dans la ville. Dans cette grande agglomération se côtoient toutes sortes de créatures vannes. Les vannes regroupent toutes les créatures magiques dotées d'une longévité exceptionnelle ainsi que des humains et des sans-mêlés. La planète peut accueillir toutes ces espèces sur son unique surface qui à l'origine n'abritait que des humains et des animaux ordinaires grâce à l'ouverture d'une faille septentrionale des siècles plus tôt permettant l'exode de ces peuples menacés sur leur propre planète. Mais quand les espèces plus évoluées et ou avancées technologiquement sont arrivées, une classification des espèces s'est mise en place faisant passer les humains de chefs à esclaves créant des tensions et des rébellions. Les humains ne sont pas les seuls rebelles. Les anges, créés par les Astéries pour être des parfaits soldats loyaux et obéissants, et des serviteurs, les sylphes ainsi que d'autres espèces ont tenté de se rebeller, les transformant eux aussi en esclaves. C'est dans ce climat et ce décor fait d'inégalités et de conflits interespèces que nous rencontrons Brice Adélaïde Quinlan, 23 ans, métisse, mi-fée, mi-humaine, fille de Humber Quinlan, une humaine, et du roi de l'automne en personne. Mais Brice, qui n'a pas eu de lien avec son père biologique jusqu'à ses 13 ans, a pu compter sur celui qu'elle considère comme son vrai père, Randall, un humain à la carrière militaire émérite, connu et reconnu pour ses faits d'armes. Elle est assistante d'une magicienne du nom de Jeziba Roja, qui collectionne et revend des objets d'art. Elle est depuis l'université la meilleure amie de Danica Fendir, une vanne de sang pur. Danica a supplanté sa mère Sabine dans la ligne de succession pour être le nouveau primat des loups à la mort de son grand-père, ce qui a causé des tensions dans son clan. Elle est à la tête de la meute des démons, composée de Connor son second, Bronson, Thorn, les frères Zelda et Zach, et Nathalie. Danica, en plus d'être l'héritière désignée de son clan, et chef d'une meute pour le compte de Lox, rôle qu'elle n'a pas choisi, travaille comme consultante sécurité pour Redner Industries, une entreprise de recherche lucrative et prolifique, soutenue financièrement par l'archange Miché. Danica et Brice ont à leur côté Fury Axtan, une vanne tueuse à gages, et Juniper Andromeda, une faune danseuse classique, pour les accompagner dans leur soirée débridée. Danica et Iris pensent pouvoir passer l'éternité comme ça, à faire la fête, à rire, à boire, à se droguer, à être des colocataires les plus fêtards de leur immeuble. Mais un soir où Brice avait rendez-vous avec son petit ami, Red Redner, un humain, Danica devait passer sa soirée avec sa meute à leur appartement. Brice, qui s'est décidé à larguer le jeune homme au profit du second de sa meilleure amie, invite Fury et Juniper au Corbeau Blanc. Ayant dépensé ses marques d'or en épiphane, Brice est prête à faire la fête. Fury, quant à elle, a apporté de lilas racines et après des heures de fête embrumées par les drogues, Brice rentre à l'appartement. Elle est dans un état des plus miteux quand elle passe la porte déjà ouverte. La meute et Danica sont tous morts, c'est un vrai bain de sang. La brume de son cerveau s'estompe et c'est l'adrénaline qui la remplace. Quand un bruit dans le couloir l'attire, une forme démoniaque s'enfuit. Elle la poursuit et tombe nez à nez avec la créature en plein festin sur l'abdomen d'un ange. Elle parvient miraculeusement à la chasser, se faisant blesser à la cuisse en se faisant, puis prévient les secours.
Quelques minutes à peine et l'ange déchu le plus connu arrive sur place. L'Umbra Mortis, alias Hunt Atalar, est sur place. Quand Brice reprend conscience, elle est dans une salle d'interrogatoire de la 33e et Isaïe Tiberian, commandant de la 33e Légion Impériale, Yari, Naomi Borea, Hunt et Victoria sont là pour l'interroger. Mais avant d'avoir obtenu quoi que ce soit de l'épave non-verbale qu'elle est, un appel la libère. Son demi-frère Rune Danaan, prince fée, vient la chercher. 2 ans plus tard, Brice travaille toujours pour Mademoiselle Jéziba. Elle ne danse plus, ne boit plus, ne se drogue plus et cherche à se reconstruire sans son encre, pensant le coupable en prison. Mais quand quelques jours après un deal pour la galerie, l'Umbra Mortis en personne et l'archange Miché lui apprennent que son client Maximus Tertian est mort dans des circonstances similaires à Danikea et à sa meute, tous ses mois de travail sur sa respiration et sa colère s'effondrent. Miché lui ordonne de résoudre l'affaire avec pour babysitter binôme Hunt. Parallèlement, son demi-frère se voit confier la mission de retrouver le corps, un artefact se fait, volé 2 ans en amont. Brice, qui ne possède pas de vraie capacité magique, va-t-elle arriver à trouver qui est le meurtrier de sa précieuse Danica? Hunt arrivera-t-il à faire équipe avec cette beauté rousse sans se détourner de sa mission officielle et de sa mission secrète? Rune arrivera-t-il à retisser des liens avec sa sœur pour la protéger? Trouvera-t-il le corps? Devra-t-il se marier avec la nouvelle reine sorcière de Valbara comme le désire son père? Et que cachait Danica? Des mystères épais qui nécessitent toute votre attention pour leur trouver une solution ou à défaut le début d'une explication. Un livre que j'appréhendais de commencer tant j'en avais entendu parler en bien, en moins bien, voire carrément en mal. Et je ne regrette pas d'avoir sauté le pas. Une histoire riche, captivante, haletante, avec un soupçon de romance et de piment. Bref, je n'ai pas trouvé le temps long. Seul petit bémol, quelques tics de langage un peu répétitifs. Mais une chose est sûre, je ne mettrai pas autant de temps à me lancer pour le tome 2. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 4 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!